Ange de demander à la pitié de s'expliquer. Je sais pourquoi tu parles et qui contrôle ta voix. Alors dis-moi pourquoi le culte t'a fait dire à Socrate qu'il savait tout. Le culte ne m'a pas demandé de le lui dire. C'est moi qui l'ai décidé. Le culte ne te laisserait pas agir ainsi. C'est pourquoi j'ai été très prudente. Je cherche l'aide de Socrate, mais il m'était impossible de la lui demander. Pourquoi une telle alliance ? Je connais bien Socrate. Non seulement il me rend souvent visite, mais ses élèves aussi le font. Viens-en au fait. Tu sais que je ne véhicule pas la parole des dieux. Je sens que Socrate est capable d'en persuader les gens. S'il réussit, le culte n'aura plus besoin de mes services. Donc tu espères qu'il parviendra à la conclusion que les dieux n'existent pas ? Peu importe si Socrate croit en eux, ce qu'il faut, c'est qu'il doute du fait qu'il s'exprime à travers moi. Que Socrate puisse t'aider, ça je comprends. Mais pourquoi lui dire qu'il sait tout ? Il s'interrogera sur la nature même du savoir. Je veux qu'il comprenne qu'il ne sait pas tout, et donc qu'il doute des paroles des dieux. Si tu lui avais dit que tu ne parles pas à la place des dieux, l'effet aurait été le même. Et plus rapide, non ? Socrate n'est pas un homme à désirer une réponse si facilement. Il sera plus résolu s'il trouve la réponse de lui-même. Ça devient compliqué. Quoi que tu fasses, ne dis rien à Socrate. Je comprends. Il faut qu'il trouve la réponse de lui-même. Voilà. Mais si tu tiens vraiment à aider Socrate, un de ses élèves est venu un peu avant toi. Il semblait... inquiet. Inquiet ? Il serrait un ouvrage contre sa poitrine et regardait sans cesse par-dessus son épaule. Il m'a dit qu'il irait dans un tombeau voisin jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Merci, je vais le chercher. Apollon t'accompagne. L'oracle ne parlera plus de jeu. De grâce, ne remets plus les pieds ici. Celle-là. Pardon de t'avoir fait part de ma peur. Tu disais ? Non, rien. Je vais t'éventrer ! Ah!
Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je ne suis pas avec eux. Ça ne veut pas dire que tu ne me tueras pas. Tu veux simplement ceci. Je suis une amie de Socrate. Ah oui? Prouve-le. Je n'ai rien à te prouver. Je viens de te sauver la vie et je suis là pour t'aider. Très bien. Si tu le dis. Que te voulaient ces hommes? J'ignore pourquoi, mais ils voulaient les écrits de Socrate. Enfin, c'est moi qui ai tout écrit, mais ce sont ses paroles. Un peu étrange comme motivation. L'un d'eux parlait beaucoup. Il a dit quelque chose à propos des prêtres du sanctuaire d'Athéna Pronaïa. Et ajouté que c'était la dernière chose dont ils avaient besoin pour se débarrasser de Socrate. J'ai toujours voulu savoir. Qu'enseigne donc Socrate? Beaucoup de choses. Après l'avoir suivi pendant une journée, il est impossible de dormir, tant les pensées se bousculent. Je ne sais pas si je tiendrai une journée auprès de lui. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Socrate? Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Et je doute que cela se reproduise. Chaque jour passé avec lui est une bénédiction. Je vais me charger de ces prêtres. Merci. Et... s'il te plaît, Mystios, remets ceci à Socrate. J'ai honte de dire cela après avoir autant appris de lui. Mais j'ai une famille. Je ne peux pas risquer d'être mêlé à tout ceci. Alors tu vas cesser d'être son élève? Je crois que je n'ai pas le choix. Cela changera peut-être un jour. Je vais lui remettre ce texte. Merci. Et veille bien sur lui. Ce monde serait bien triste s'il venait à disparaître. Cet élève m'a donné une idée. Xantippe a parlé d'un banquet. Je peux peut-être persuader les autres convives d'aider Socrate. Je ne sais pas pourquoi ces prêtres en veulent tant à Socrate, mais je dois m'occuper d'eux. Les élèves ne tiennent-ils pas tout de leur maître? Et si l'un de ses professeurs a tort, cela ne perpétue-t-il pas l'enseignement de notions fallacieuses de génération en génération? Tu supposes que les élèves ne sont pas assez avisés pour identifier les failles du maître? Pense à ceux qui nous ont précédés. D'abord Thalès, puis son élève Anaximandre, puis Anaximène. Sans les enseignements de ses aînés, on peut affirmer qu'Anaximène n'aurait jamais formulé ses conclusions. Je ne suis pas du tout de cet avis. Ah, peut-être que ce nouveau visage nous offrira un autre point de vue. Un élève profite de tout le savoir de son maître, sans avoir à chercher lui-même cette connaissance.
S'il est intelligent, il doit surpasser celui qui l'a formé. Observation fort judicieuse. Le temps gagné grâce à la transmission du savoir permet non seulement à l'élève d'élargir les idées acquises, mais aussi d'en générer lui-même. Mais si l'élève se repose sur des idées sans chercher la vérité qui les soutient... Si l'on écoute autrui en considérant comme vrai tout ce que l'on entend, c'est à nous que revient le blâme. Alors, quel que soit l'orateur, maître ou élève, nous devons consacrer du temps à vérifier si ce qui est dit est vrai. Ton apparence ne te rend pas justice, Mystios. Tu as visiblement eu un maître toi-même. Quelque chose comme ça. C'est la raison de ma venue. Socrate a besoin de votre aide. Socrate ? S'il est à la recherche d'un autre débat, il sera difficile de dire qui de nous deux le hait le plus. Pourquoi l'aiderions-nous ? Peu importe qu'il soit votre pire ennemi. Si l'on cherche à emprisonner quelqu'un comme Socrate pour ses propos, qui dit que vous ne serez pas les prochains ? Tu veux donc que nous l'aidions de crainte d'être nous-mêmes emprisonnés ? Vos raisons importent peu. Si je n'avais pas mentionné son nom, trouveriez-vous normal que Socrate soit enfermé ? Si, comme tu l'affirmes, c'est pour ce qu'il a dit, alors non. Et ne craignez-vous pas que cela puisse vous arriver aussi ? Bien sûr. Sans liberté de parole, que ferions-nous alors ? Si tel est votre avis, vous devez l'aider. Bien, bien. Tu as été éloquente et convaincante. Socrate mérite notre aide, mais nous ne la lui offrirons pas à la légère. Voilà qui lui donne encore plus de prix. Nous allons nous mettre en route et rassembler quelques autres personnes pour que nos voix soient entendues. Crois-le ou non, nous sommes assez doués pour le tumulte. Si vous êtes comme Socrate, je n'en doute pas un seul instant. Waouh ! Je n'avais jamais vu quelqu'un les convaincre aussi facilement. Vraiment. J'imagine que je peux en être fière. Mais je m'étonne de voir un enfant ici. Il existe un âge acceptable pour pouvoir débattre ? Quand serait-il à la veille de cet âge précis ? Doit-on s'empêcher de faire ce que le cœur nous dicte, de peur que le regard des autres vienne l'altérer ? On ne peut même plus avoir une conversation normale avec un enfant. La normalité, c'est l'ennui. Regarde autour de toi. Tout le monde ici veut la même chose. La migraine. Le débat. Tu es le premier enfant que je rencontre qui préfère le débat au jeu. Ne le répète pas, mais je t'envie car tu es élève de Socrate. J'espère moi aussi le devenir un jour. Tu es sur la bonne voie. Comment t'appelles-tu ? Aristoclès. Mais je dois dire que je n'ai jamais beaucoup aimé ce nom. Il sonne comme beaucoup d'autres que j'ai entendus à Athènes. Cela dit, tu pourrais en changer. Tu crois ? C'est vrai ? Mon frère a toujours eu du mal à prononcer mon nom, alors il m'appelait Platon. Je vais peut-être choisir ce nom-là. Il me plaît. Merci. Bon, je ferai bien de rattraper les autres. Kéré ! Son arcatepo.